vu dans la cave, ça va quoi. Ah, un bon live. Sur un jeu de merde, mais un bon live. Eh, il est génial le DLC. Après, faut vraiment avoir fini le jeu. Donc, je sais que la grosse merde qu'il faut que je ramasse, elle est là. C'est un petit bousier à la con là. On va descendre, on va lui foutre une grosse arbalète dans le cul. Ah. On va faire passer le temps pour que ce soit plus joli. Vous allez voir, ça ne sert à rien. C'est plus beau. On voit mieux les décors. C'est trop beau, c'est trop beau, ça me... Et voilà, il s'est fait gong bang par Botman. Allez, allez, voilà. Prosper, Luke, là, bon. Le roi du pain d'épices. J'hésite avec Elden. Alors par contre, Galarad, tu prévois un mois et demi où tu fais rien de ta vie, hein. Pas de vie sociale, tu sors pas de chez toi. Tu fais que du Elden Ring. Sinon, t'en verras jamais le bout. Tu disais qu'il y a des espèces menacées. Pourquoi d'ailleurs il y a autant d'aigles à la con? Parce que mon chronomètre est plus 10, il fait toujours le top. Oh, il y a des magnifiques sculptures de l'ère baroque. Ah merde! J'ai envie d'aller en dessous, c'est trop bien. C'est trop bien ici. Batman! On va tuer pour sourire. Contre spirituel vénéré, ouais! C'est un gain de puissance non négligeable. Regardez, il y a les rayons de soleil du matin. Enfin, pas de soleil, mais de quelque chose du matin. On peut se jeter peut-être de là-haut, là-bas, là. Sur le rocher, et on descend tranquillement. Ça me fait chier d'aller jusque là-bas. Vas-y, on tombe sur la maison, on s'en fout. C'est dégueu d'un. Putain, et merde, ça marche pas. C'est quoi cette merde là-bas? Si je me casse la gueule, je me tue ou pas? Oui, je me tue. Oui, je me tue. Qu'est-ce que c'est que ce truc chelou? Ah oui, c'est un homard géant, cette merde. Allez, c'est bon. Peur de corps sombre. Ah putain, mais c'est bon, on a récupéré le matos. Si on se fait tuer, c'est pas grave. Homard m'a tué. J'avais pas vu le dev breton, bien joué. Ah ouf. Ah, j'ai pas visité en dessous, donc je vais visiter en dessous. Il y a un site de grâce là-bas. Vous voyez cet œil de lynx? Oh, il y a une tortue géante. C'était pas un crabe. Ah non, c'est... Non, c'est un crabe. C'était de lynx, il y a une tortue. Non, c'est un crabe. Et en plus, il n'y a même pas de site de grâce, en fait, j'ai rêvé, je crois. Miyazaki et les marécages. Je pense que ça doit être un traumatisme d'enfance, c'est pas... Je sais pas. Ne casse pas la gueule, sale con. Avoue, t'as fait l'huile quand le cheval a commencé à sécher. Le mouton le plus gros, là, il est dangereux, par contre. Hein. Ça va lui faire chier. C'est le roi des moutons. Le roi des moutons, en général, c'est le membre premium qui donne le plus à lui la chaise. C'est son top donateur. C'est un titre qui est très peu glorieux à porter, en fait. Là, il y a un roi des moutons. Ça, c'est un donateur de Julien Chiez. Il est dans le top 10, quoi. C'est-à-dire qu'il donne du fric à Julien Chiez alors qu'il en a pas besoin. Pour avoir l'impression de... Voilà, ben... Vous voyez, je fais des dons. Regarde, un autre donateur de Julien Chiez. Il a des pouvoirs très puissants. Quand tu lui demandes des arguments, en fait, tu peux le latter en deux coups. Merde. Ah, putain. Je me suis fait tuer par un membre insider. Vous voyez, c'est très joli. Mais faut pas trop s'en approcher parce que ça brûle. Oh putain, vas-y, cours connard avant de te faire griller le cul. C'est pour vos barbecues l'été. Oh, il y a des fleurs bleues, c'est joli. Il trouvait une nouvelle. Ouais, il trouvait un nouvel endroit trop beau. Salut Nada, salut les meilleurs. Je sais pas, je suis pas le foot. Ça m'a jamais attiré de voir 11 mecs courir un short sur un terrain après une balle. Mais même si t'es hétéro, hein, je te dis pas que tu peux aimer le foot. Promets. Là, cette île-là, je voulais l'atteindre, mais en fait, quand vous plongez dans l'eau, vous bourrez. Comme dans GTA 3. Donc, faut pas le faire. Si vous voyez de l'eau dans ce jeu, méfiez-vous. Mais là-dedans, il n'y a rien. Il y a une zone avec des fleurs bleues partout, il n'y a que dalle. Elle sert à rien, cette zone. Il est gros, lui. Il me fait peur parce qu'il est assez immense. Ah ouais, c'est un boss de merde. C'est cool, un boss de merde, parfois. Alors, boss de merde, qu'est-ce qu'il rapporte? Épée constellée. Oh, par contre, c'est Bruno, ça. Et on passe au week-end, il est petit et nul, hein, monsieur Quick. Son nez, il est plus gros que son visage. Mais pas de discrimination. Respect à la personne, s'il vous plaît. Fais des shorts. Mais non, les shorts, c'est pareil, c'est à cause des gosses. Non. Oui, je sais, maintenant, pour être payé, faut faire des shorts. J'emmerde YouTube. J'emmerde YouTube et j'emmerde ce système. Ah, mais par contre, c'est vrai. Oui, pour faire passer les 1000 abos. D'accord, je ferai des shorts, ouais. Juste pour faire chier par vendetta personnelle
Pour le petit con qui s'abonne et se désabonne en boucle pour me faire chier. Ouais, mais à cheval, ça se fait. Attends, à cheval, les dragons, ils se font. Je vais t'en faire la démonstration tout de suite. Ouais, mais ça va être long et chiant à regarder, hein, par contre. Je reviens de l'avance. Merde, je suis mort. Ah. Ouais, ça se fait, quoi. C'est comme dans l'administration, il y a le droit à l'erreur. Une fois, ça passe. Deux fois, tu es très peu apprécié. Trois fois, t'es dans la merde. Oh merde! Oh merde! Tiens, il y a un nouveau type d'arnaque là. Quand on voit par texto, là, il y a goof.fr qui vous réclame 135 euros d'API. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ils ont fait des nouvelles arnaques par texto. Donc je vous préviens, paniquez pas. Hein. Encore de la merde. Ah, les mobs allaient me faire. Merde, je suis désarçonné, putain! Ah, ça pète les couilles, hein. Enfoncé sur la papate. Ah, merde, enfoiré. C'est pas con, ces bêtes-là, n'empêche. Désarçonné, déjà. On lui a fait pas mal de dégâts, là. Ah, putain, le crève pas maintenant! Putain, fils de... Putain, merde! Ah, mais je me souviens, il y avait un truc qui était scellé en dessous. Là, par contre, oui. C'était scellé avant, ici. Oh, excellent! En fait, je pouvais pas y accéder la première fois que j'y suis allé. Et là, vu que j'ai buté un boss, on a accès carrément à une nouvelle zone que j'ai jamais visitée. Ah, trop bien ce stream. Putain, mais comment je vais faire, là? Là, par contre, je sais pas où aller pour... je sais pas. Ici, y'a rien. Mais c'est quoi, cette merde? Là, je meurs. Hein. Là, si je tombe, je meurs. Hein. Oh, vas-y, on saute le coup, on meurt. Allez, c'est super. Oh! Oh, mais non! C'est une blague. Oh putain. Là, par contre, ça marche pas. Est-ce que c'est en dessous? Il y a des trucs là. Ah, à mon avis, faut se jeter dans le putain. Yep. Allez, adieu. Adieu, monde ignoble. Je le savais. C'est quoi ce bordel? Ça pue. Alors, je dis tout ça, ça pue la merde. Un peu, ouais. Invocation. Ouais, ça va être chiant encore, hein. Bon combat de merde, ça. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Il y a des chevaux et tout. Ah ouais, il rigole pas, le mec. Bon, il en dit quoi? Ah la vache. Bon, faut le bouclier, faut le bouclier, là. Il faut se protéger, là, absolument. Oh la vache. Faut y aller au bouclier, hein. Ça va pas le faire. Oh putain, faut sauter par-dessus les flammes. Bon, je pense pas qu'il soit si dur que ça, quand même. Et placer les coups quand il faut, quand même. Là, par contre, faut que je le cartonne parce qu'il a tué mon double. Hein. Dans la merde, là. Ah merde, là, c'est double cheval dans la gueule. J'ai pas la protection. Ah, mais merde, la manette qui bug. Mais non! La manette qui bug! Mais non, mais votre chance! Oh, la manette a bugué, putain. Putain, y'a tout contre moi, c'est un truc de ouf. Hein. Y'a toujours un élément qui vient foutre la merde. Hein. Voilà, airbug, putain. La manette rebug, j'y crois pas, mais j'y crois pas, putain. C'est pas possible de pas avoir de chat à ce point-là. Ah, oh, putain de merde. Putain, la run dégueulasse, quoi. C'est sûr que je vais la... Ouais, bon bah vaut mieux finir là-dessus parce que là... Bon, bonne nuit YouTube, je me casse. Plein le cul. Demain, je le dégomme. Mais ce soir, non, non, cette nuit-là, qu'il aille se faire foutre, c'est bon. De toute façon, je l'aurai pas, c'est sûr. Donc vaut mieux lâcher l'affaire. C'est pas la première fois que ça arrive, putain, jamais je finirai un live en butant un boss.